C'est avec même plaisir nous rentrer la CAO dans la 43e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à la protection sociale vers l'élaboration d'une nouvelle politique, c'est sous thème ça. Primature dans tête collègue ministère Affaires sociales et travail, Commission économique pour l'Amérique latine à Caraïbio, démarrer conférence internationale 3 jours sous protection sociale mercredi 27 mai 2015 dans la Port-au-Prince. Candidat propose président Babanye plateforme politique petite de Saline Moïse Jean-Charles proposé pour élection est organisée en deux temps, ça qui, selon déclaration, est capable de faciliter candidat aux plus possibilités pour mener activité campagne. Ministère commerce et industrie à travers bureau normalisation haïtienne en tête pour l'Institut dominicain de qualité organisé un séminaire bilatéral le mercredi 27 mai 2015 lan sous programme agro alimentaire échange commercial entre Haïti et République dominicaine. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, sous demande d'autorité américaine, la police suisse a arrêté 7 cadres dans la Fédération internationale football du FIFA, jeudi mercredi 27 mai 2015 dans la ville jury. Cette présumée coupable sa route à suspect commun qui t'a dans la corruption n'a fait circuler l'argent battable depuis dans l'année 1991 jusqu'à présent. Département de justice américaine fait connaître déjà mettre main sous 14 membres dans 4 dossiers. 4 naouts a déjà plaidé coupable et puis accepté pour ta collaborer avec la justice américaine selon Washington Post. Bonsoir, goutte à l'évier. Vous êtes à vos sous-riches de calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat, vanille. Les gens prêts, les framboises, les chargés, vitamines. Tout si moun yo remè Yago. Tout si moun yo remè bwè Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font y pocher tendez sa prenne c'est ce baldi là. L'IA contexte c'est serviette toute femme yes. Ou mettre sauter pompé serviette l'IA a pété jam. Ou mettre danser pia fait l'IA a bien. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mette ma force et l'IA mouen ka mette tout temps. Contexte l'IA fait me senti femme. Wap j'en l'IA acheter tout côté. L'IA fait qu'elle me content. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté. Empreinte digitale seulement. Sans donner à mon compère. Unibank pas dormi. Toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté. Paola, même n'importe si qui sale. A tout agent autorisé Unibank. A Katila, si on y paraît. Bay empreinte digitale ou pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout pays. Ouais papa. Unibank tout côté, pi simple, pi rapide, pi prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2299 2020. La protection sociale vers l'élaboration d'une nouvelle politique, c'est sous thème ça primature, dans la tête collègue ministère Affaires sociales et travail, Commission économique pour l'Amérique latine et Caraïbes, démarré conférence internationale 3 jours sur protection sociale mercredi 27 mai 2015 dans Port-au-Prince. Activité ça qui était déroulée en présence divers membres dans le gouvernement, experts national et international visé, offrit un espace diffusion, sensibilisation pour positionner problématique protection sociale là dans le pays. Dans l'intervention, le chef gouvernement haïtien plaidait en faveur d'adoption et inclusion sociale là comme axe politique et public l'État haïtien. Evans Paul, c'est premier ministre haïtien qui t'a posé plus de détails. Dans le micro, Whitlin Eliassin avec Muller Baptiste. Il est donc impératif que
que soit élaborée une politique rationnelle portant sur la protection sociale en Haïti. Parce qu'en dépit de certaines dispositions, dont celles du président Martelly et de son régime, les différentes actions, tant gouvernementales que non gouvernementales, produisent des effets à trop faible impact. Ce n'est pas toujours la bonne volonté qui manque. Souvent, nous sommes témoins que des acteurs et des partenaires ont consenti des efforts louables. Pourquoi ? Je profite de l'occasion pour saluer le courage et la détermination de tous ceux qui se sont dépensés pour améliorer le sort des plus vulnérables en Haïti. À cet égard, les chiffres sont encore alarmants. Bordé par le ministre des Affaires sociales et du Travail, la maître Victor Benoît, dit li kwè pour gagner un meilleur résultat, l'État haïtien t'a dû engager dans élaborer une nouvelle politique qui pourra le permettre de gagner une meilleure coordination, différentes actions qui prennent dans le cadre de protection sociale pendant l'y proposer trois axes qui pourraient favoriser l'agrandissement de nouvelle politique. Ça, le ministre des Affaires sociales et du Travail, la professeure Victor Benoît, t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Et de l'érudition du tissu social. Voilà le besoin auquel aujourd'hui cette conférence internationale doit répondre. Cette politique devra inévitablement adresser les défis suivants. La pauvreté, les inégalités et l'exclusion qui frappent près de 80% de la population haïtienne, plus particulièrement celles vivant dans les plus hauts pays, celles et ceux que nous avons probablement, les habitants du pays en dur. Le troisième défi, c'est la cohérence. La cohérence des politiques d'assistance et de sécurité sociale doit se situer au cœur des débats actuels entre les parties prenantes, car la protection sociale constitue une thématique transversale. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère des Affaires sociales. Il s'agit de nouvelles interventions interministérielles. Les ministres de la Santé, de l'Éducation, des Transports publics, de l'Économie, de la Justice, de l'Environnement, à la Condition féminine, de l'Intérieur, doivent travailler en symbiose pour parvenir à l'efficacité, l'efficience et l'effectivité. Il s'agit également de nouvelles interventions intersectorielles qui doit respectueusement et intelligemment impliquer les organisations syndicales, le secteur patronal, les confessions religieuses, le monde universitaire, les associations paysannes, les mouvements féministes. Toutes ces forces vives doivent être mobilisées dans une perspective de cohérence de politique sociale. Mesdames, Messieurs, au regard de tous ces défis auxquels nous devons répondre, nous devons être extrêmement vigilants face aux tentations de l'éparpillement, du clientélisme politique négatif et des accommodations du provisoire. Pour surmonter ces défis, je proposerai trois axes de structuration pour une nouvelle politique nationale de la protection sociale en Haïti. L'autre information, candidat pour président Bablanien, plateforme politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, proposé pour élection est organisé en deux tours, ça qui, selon déclaration, qu'a facilité candidat ou gain plus possibilité pour mener activité campagne, yon extrait dans déclaration, candidat pour président plateforme politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, dans micro, Radio Télé Éclair. Et nous t'ai analysé question processus électoral là. Eh bien, il y a plusieurs décisions qui nous prennent. Et étant donné que la plateforme n'a pas ici déjà remettre nos destins,
Nous croyons qu'il faut nous informer aux décisions que nous prenons hier après-midi au niveau plateforme Petite Dessalines. Premier point nous avons abordé, c'est la question du calendrier électoral. Pour nous-mêmes, l'en évaluer l'argent pour inscrire candidat soit à la députation, soit candidat au Sénat, candidat à la présidence, y compris candidat pour collectivité territoriale, nous jugeons nécessaire en structure politique, sous pas la corruption, ou pas qu'à fin faire tout dépense pour entrer encore dans sa relève, ou yon élection trois temps. Yon élection trois tours. Je pense que nous-mêmes, au niveau de la plateforme, non, l'en évaluer, son bail cap coûte plusieurs millions de dollars. Je pense que le pas juste. Et je pouvoir l'organiser dans ce sens même. Parce que yon-même, yon gen toute qualité de l'argent. Mais yon. Par contre, nous concluons, premier point, comme ça, nous demandons pour gagner une élection dans deux tours. Une élection dans deux tours comment? A gagner une élection qui fait même date que tu prévois pour faire élection présidentielle. Yo. Et dans même date, il y a tout fait élection pour sénateur, y compris pour député. L'autre information, direction nationale de l'eau potable à assainissement démarré 3 journées sensibilisation sous protection à assainissement. Cap déroulé sorti 27 pour 29 mai 2015 l'an. Activité ça qui rassemblait plusieurs dizaines d'étudiants finissant dans différentes universités en dans le pays a visé sensibilité joignant sous importance de l'eau potable, assainissement à protection environnement gagné en Haïti. Dans l'intervention, le directeur général d'INEPA Benito Dumé fait qu'on a information ça pour renforcer capacité étudiants yo dans sensibiliser population sous service à priorité. Réseau de l'eau potable, le directeur a déclaré, institution prend le travail pour arriver à améliorer la qualité à conditions service réseau à bas population. Benito Dumé, c'est directeur général d'INEPA qui t'a porté plus de détails. Dans le micro, Gerlens lui avec Mackinson Registre. Si on n'a pas de développement étudiant, nous connaissons tout. Nous avons là qui n'a pas besoin de l'eau. Et chaque jour, chaque seconde, nous servir à tout. Et particulièrement de l'eau pour nous jouer. Puis le maladie, particulièrement pour nous, qui sont dans l'utilisation de l'eau et de l'eau. Pour compter sensibiliser là, faculté, et c'est pour une journée, c'est mon premier journée avec faculté. Parce que l'autre journée, on va l'organiser avec les personnes, on va déplacer faculté par faculté pour que nous sensibiliser au maximum étudiants, co-étudiants qui viennent à faculté. C'est un mec à répliquer dans tout le pays, hein, parce qu'on est avec les régions. Et nous comptons tout rencontrer avec candidats, particulièrement candidats pour municipalité ou ensemble collectivité. Parce que la loi 4 qui prévoit le départ prévoit la langue que ces municipalités ou ces collectivités ne peuvent pas gérer le système. Donc nous voulons sensibiliser, faire connaître qui ça a dit le pays. D'abord, qui ça a secteur Haïti même et qui responsabilité par gain pour prendre en charge. DG, pas clair. DG. Comme je dis, attendez n'est pas, c'est fait plus que nous connaissons le secteur. Problème, c'est que a un défi pour que tout le monde mette à la part. Parce que là, on a un réseau. On a un monde qui vient de l'écraser, casser tout le monde. Il fait que l'autre monde a besoin de ça. Son problème, il concerne nous tous. Et le ça, on dénonce. Plusieurs étudiants qui ont participé à l'atelier sensibilisation ça pas caché satisfaction pendant au fait qu'on est déjà paré et disponible pour porter support au Dinepa. Cependant, ils souhaitaient institution créer plus moyens pour arriver à un bon service à la population. N'a pas invité à suivre réaction plusieurs étudiants qui ont apporté plus de détails. Dans le micro, Gerlens lui avec Mackinson Registre. Donc, il y a un ensemble de rivières, il y a un ensemble de sources. Il y a un micro-ordre et ça prend un pile de milieux et on mourit mal. On a observé avec les étudiants pour nous permettre de toucher plus de population. Ça veut dire nous-mêmes, la fin de sensibiliser nous pour nous-mêmes nous sensibiliser le pays. Parce que sérieux, l'eau c'est la santé, l'eau, le moins aider au monde. Comprendre qui est important de l'eau.
spécifique. Là, avec nous, on est capable d'avoir notre approche dans la gestion de l'eau et dans la gestion et assainissement dans le quartier côté Mouyemal. L'autre information, jeune chambre internationale en tête coulée à Croix Rouge haïtienne, ministère santé publique et population annoncée pour dimanche 31 mai, Cap Vinila, yon journée collecte 200 dans plusieurs coins dans le pays. Initiative s'en retrait dans le cadre de commémoration faite pour maman selon directrice centre transfusionnel Croix Rouge haïtienne non, Marie-Marcel Covin, qui t'a porté plus de détails. Dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Pour bon côté JCI, qui est la jeune chambre internationale, bon côté ministère santé publique et population, pour me présenter la Croix-Rouge haïtienne en tant que également directrice service national de transfusion sanguine. Et vraiment, je tenu à féliciter la jeune chambre internationale pour l'initiative que je prends depuis l'année dernière. Côté chaque fête des mères, elle organise avec nous collecte de sang au profit des mamans. Et année ça encore, dimanche 31 mai, à l'occasion de la fête des mères, eh bien, on a renouvelé l'expérience avec Jeune Chambre internationale, côté au niveau national, dans toute ville que Jeune Chambre internationale présent, eh bien, côté nous pral réaliser avec poste de transfusion sanguine, centre de transfusion sanguine, dans 10 villes ça yo, avec ministère de santé publique et de la population, programme national de sécurité transfusionnelle, collecte de sang à l'intention des mamans. Côté tout le monde, ap capable vini, de pour un âge de donné, à partir de 17 ans jusqu'à 65 ans, côté de pour sentir bien jou ça, côté que pour faire un geste d'amour, pour prouver maman, toute femme qui a pas couché ou qui a remé, ou a vint faire geste ça, ou a vint bail un peu de sang pour que maman, yo, pendant qu'il a bail la vie, eh ben il a pas perdu la vie, yo, parce que un poste sang pas disponible. Pour information, ministère commerce et industrie à travers bureau normalisation haïtien en tête avec l'Institut dominicain de qualité organisé un séminaire bilatéral jeudi mercredi 27 mai 2015 là sous programme agroalimentaire et échange commercial entre Haïti et République dominicaine dans discours si Constance directeur général ministère commerce et industrie Gisler Dugas souligné importance à télé ça pendant déclaré initiative ça vise renforcer coopération qui existait en deux pays, dans l'idée pour arriver à développer le secteur agroalimentaire qui pourra lui bénéfice pour Haïti. Gisler Dugas, c'est directeur général ministère commerce et industrie, qui t'a porté plus précision dans le micro Gerlens lui avec Mackinson Registre. L'agroalimentaire est donc un secteur d'activité à fort potentiel de croissance économique, de création de richesses et de génération d'emplois. Eu égard aux énormes possibilités de diversification d'offres de produits résultant de l'exploitation efficace des filières et du développement des chaînes de valeur. En Haïti, le développement de l'industrie agroalimentaire serait bénéfique à plus d'un titre, notamment par la réduction considérable des pertes post-récolte qui actuellement se situe entre 30 à 40% du fait du mauvais conditionnement des produits. Cependant, la performance de ce secteur dépend entre autres de la rationalisation des procédés de fabrication utilisés. D'où l'importance des bonnes pratiques de fabrication, objet de l'événement du jour. Ainsi, mesdames, messieurs, ce séminaire binational sur les bonnes pratiques de fabrication vise essentiellement à renforcer la coopération entre le Bureau haïtien de normalisation et l'Institut dominicain de la qualité, à fournir aux représentants des institutions étatiques
et à ceux du secteur privé des deux pays l'occasion d'échanger sur leurs expériences et les outils mis en œuvre pour... Bon, côté par le directrice bureau normalisation haïtien Michel Paul rappelait programme ça qui existait depuis de l'année visée élargie cadre relations commerciales qui existait en deux pays et qui pral continuer de travailler dans l'idée pour renforcer capacité infrastructure secteur agroalimentaire pour renforcer qualité production et sécurité dans échange commercial bilatéral entre Haïti et République dominicaine. Michel Poultre, c'est directrice bureau normalisation haïtien qui était dans le micro Gerlens Louis avec Mackinson Registre. Deux institutions pour renforcer ça l'infrastructure qualité que nous gagnons. L'infrastructure qualité à c'est tout ça qui concerne le développement nord, laboratoire d'analyse, activité vérification pour faire contrôle qualité. Et laboratoire, la préparation, de façon à ce que nous capables, n'est-ce pas, et assurer la qualité produit, afin que tous les deux pays, de façon pour nous capables d'aller sur notre marché, ou bien pour nous faciliter l'échange entre deux pays. C'est que nous essayons de déterminer qui faiblesse que nous gagnons au niveau de l'infrastructure tous les deux pays. C'est-à-dire qui côté nous pas gagner, nous besoin de ces capacités. Qui côté, par exemple, en Haïti, nous gagnons force humaine, qui ça nous développe déjà, et nous dominicaine, nous pouvons développer. Mais qui ça nous dominicaine déjà développé dans l'infrastructure et que nous pouvons gagner. Donc, ça nous fait. Le nous gagner du côté que nous déjà développé en côté, nous recevons, n'est-ce pas, des cadres de la République dominicaine pour venir voir comment on travaille. Ou bien si nous voyons que là-bas, nous gagnons plus de capacité que nous dans le domaine, dans les lacailles, nous voyons comment on travaille de façon à ce que harmoniser ça la fait. De façon à ce que nous renforçons les capacités de nos pays. Parce que tous les pays ont besoin d'exporter vers notre marché et tout. Donc, pour ça, ça va permettre nous de nous capables de produire. L'autre information, Mme Colette Jacques, qui est un citoyen qui habitait dans la commune Kouadé Bouquet, dénoncé comportement juge de paix Bernard Pierre-Louis qui est affecté dans le tribunal de paix Kouadé Bouquet. Mme Lanfait connaît qu'à persécuté après Kylie Téfine subit un cambriolage depuis 12 mars passé. Selon Mme Colette Jacques, jusqu'à présent, juge Bernard Pierre-Louis n'a jamais décidé de remettre le procès verbal cambriolage là, lorsque même juge là a déjà lancé mandat contre lui. Madame Colette Jacques qui exprimait inquiétude libre face à la situation s'est lancé un appel par le président République la Michel Martelly, ministre de Justice et Sécurité publique là, Pierre Richard Casimir avec Conseil supérieur pouvoir judiciaire en façon pour mettre fin à la persécution l'a subi en bas même juge Bernard Pierre-Louis. Madame Colette Jacques t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Si elle sait que depuis le 12 mars, depuis que je suis arrivé sur les États-Unis, moi je suis quand même cassé. Et suspect là, c'est une locataire qui loue une chambre dans Kaila. Et ce juge de Père Bernard, c'est venu. Depuis la machine, il dit que c'est pour payer 1500 dollars américains. Moi je souris parce que je ne connais pas aux États-Unis la vie. Maintenant, je dis monsieur Zatou. Donc, je lui ai donné 700 dollars. 700 dollars, il est descendu, il est rentré, il a vérifié que le casse-là est là. Et donc, il dit que le trophée est noir, que la retourne. Je ne sais pas, j'en retourne. Et il paraît que le juge, c'est l'associé de ce prétendu voleur. Et donc, 4 jours plus tard, juge Bernard de la Croix des Bouquets est revenu dans la cour pour me dire que je n'ai pas droit à ma manchette dans la cour. Il a saisi la manchette parce que
j'ai pas de droit à une manchette dans cette cour, comme vous voyez, c'est un grand terrain, c'est près de 2 carreaux de terrain. Et donc, je pense que le juge Lacounia a exposé, étant qu'une femme, que si voler a tourné, que moi-même, je n'ai pas de moyen de défense. Si je n'ai pas de moyen de défense, vous comprenez. Donc, 5 jours plus tard, ce même juge Bernard est venu à 9h45 du soir pour me demander le titre de propriété de cette maison, la maison de ma maman, que j'ai eu l'ordonnance. Et cette maison, la mère a acheté pour moi, mais elle n'a pas encore signé pour me donner les papiers. Eh bien, il y a un complot, je pense, et puis un manque de professionnalisme et de la part du juge Bernard. Parce que comment voulez-vous que ce type, jusqu'à présent, plus de 60 jours, pour que ben moins, et constat cambriolage là, et pendant tant ça, 4 fois, juge la ville là, c'est harassé que la parassé. Et même voyons mandat d'arrestation ben moins pour violation de résidence de ma maman. Quelle affaire! Ce juge, ce qu'il fait, M. Bernard, c'est qu'il prend de l'argent, moun ki bay kop plus là, et pour tout là, so la brassé, juge la brassé. Donc voilà pourquoi que moi-même, Madame Colette Jacques, ancien candidat à la présidence d'Haïti en 1990, seule femme parmi les 26, Madame Colette Jacques, Madame Capote, qui a organisé la marche du 20 avril 1990, qui levait non haïtien comme porteur du sida, on croit que pays a droit justice. On croit que pays a droit tout haïtien justice. Donc c'est pourquoi que moi-même personnellement, je fais appel au président de la République, Joseph Michel Martelly, aussi qu'au ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, et aux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, et sans oublier les commissaires du gouvernement, pour que gagner une façon plus justifiable, en façon qui plus favorisante et en façon que la justice là qu'a revisé et ensuite pour effacer les magouilleurs, les gens comme juge Bernard qui font de l'argent, qui oublient la loi et qui font l'injustice. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, reine Angleterre Elisabeth II prononçait journée mercredi 27 mai 2015 dans le discours Tronly dans le palais Bukinia, une tradition qui remontait depuis le 16e siècle. Dans le discours, la reine Elisabeth dévoilait orientation politique gouvernement conservateur pour 5 prochaines années. Cap Vigneux et puis inauguré session nouveaux députés qui sont élus 7 mai par CEO. Euronews a dit non plus dans un reportage. C'est une tradition qui remonte au XVIe siècle. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, a prononcé le discours du trône lors d'un cérémonial fastueux et suranné, arrivant du palais de Buckingham en carrosse au Parlement de Westminster, avant d'être reçue par les lords, et que les députés viennent la rejoindre, précédée par le Black Road et le sergent d'armes portant la masse d'armes cérémoniale. Dans ce discours rédigé par le Premier ministre David Cameron, elle a dévoilé l'orientation politique du gouvernement conservateur pour les 5 prochaines années, inaugurant ainsi la première session des nouveaux députés du Parlement de Westminster, élus le 7 mai dernier. Mon gouvernement va renégocier les conditions d'appartenance du pays à l'Union européenne et poursuivre la réforme de l'Union européenne au bénéfice de tous les États membres. En parallèle, une nouvelle législation sera mise en place pour organiser un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne avant la fin de 2017.
Il faut savoir que David Cameron est favorable au maintien de la Grande-Bretagne dans une Union européenne réformée. Le gouvernement a aussi l'intention d'accorder une plus grande autonomie à l'Écosse. Le programme économique et social a également été présenté avec de nombreuses mesures destinées à améliorer la vie des plus défavorisés. Reste que des coûts budgétaires sont prévus à hauteur de 17 milliards d'euros par an. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, sous demande d'autorité américaine, la police suisse a arrêté 7 cadres dans la Fédération internationale football, là, dit FIFA, jeudi mercredi 27 mai 2015, dans la ville de Zurich. Cette présumée coupable, ça a été suspecte comme monde qui était en corruption, en fait l'agent circulé en battable depuis dans l'année 1991 jusqu'à présent. Le département de justice américaine fait qu'on ait déjà mis les mains sous 14 monde dans 4 dossiers, ça. Katnao a déjà plaidé coupable et puis accepté pour collaborer avec la justice américaine selon Washington Post. Euronews a dit nous plus dans un reportage. La FIFA dans la tourmente pour des soupçons de corruption. 7 cadres de la Fédération internationale de football ont été arrêtés ce matin à Zurich, opérant à la demande des autorités américaines. La police suisse les a interpellés pour des dessous de table présumés portant sur plusieurs dizaines de millions de dollars sur une période allant de 91 à nos jours. Les accusations visent des faits de corruption sur l'attribution de Coupe du Monde, de droits télévisés et de marketing. Les suspects, dont 2 vice-présidents de la FIFA, ont été placés en détention et font l'objet d'une demande d'extradition américaine. Le département américain de la justice indique avoir inculpé moins 14 personnes dans cette affaire. Dans une procédure distincte, le parquet suisse a lui saisi des documents et des bases de données électroniques au siège de la FIFA dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et gestion déloyale sur l'attribution des Coupes du Monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Ces enquêtes interviennent alors que la FIFA tient en cette fin de semaine son congrès annuel. Sepp Blatter, son puissant président depuis 1998, doit y briguer un 5e mandat. Controversé, Blatter est défié notamment par le prince Ali de Jordanie, qui a évoqué dans un communiqué un jour triste pour le football. Voilà, cela nous mettait fin à la troisième sortie journal nous pour ce maintenant. Mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui tapent dominer l'actualité. La protection sociale vers l'élaboration d'une nouvelle politique, c'est sous thème ça. Primature dans tête collègue ministère Affaires sociales et travail, commission économique pour l'Amérique latine à Caraïbio. Démarrer conférence internationale 3 jours sous protection sociale mercredi 27 mai 2015 dans la Port-au-Prince. Candidat propose président Babanier plateforme politique petite des Salines Moïse Jean-Charles proposé pour élection est organisée en deux temps. Ça qui, selon déclaration, est capable de faciliter candidat au gain plus possibilités pour mener activité campagne. Ministère commerce et industrie à travers bureau normalisation haïtienne en tête pour l'Institut dominicain. De qualité organisée, un séminaire bilatéral, le mercredi 27 mai 2015, lance sous programme agroalimentaire et échange commercial entre Haïti et République dominicaine. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, sous demande d'autorité américaine, la police suisse a arrêté 7 cadres dans la Fédération internationale football, dit FIFA, le mercredi 27 mai 2015, dans la ville de Zurich. Cette présumée coupable sa route à suspect commune, quitte à la corruption, n'en fait circuler l'agent en battable depuis dans l'année 1991 jusqu'à présent, département de justice américaine fait qu'on ait déjà mis les mains sous 14 mounes dans 4 dossiers. Ça, 4 naouts a déjà plaidé coupable et puis accepté pour collaborer avec la justice américaine selon Washington Post. Ces principales informations avec diverses autres qui étaient faites essentielles. 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.